t'avais eu. Je peux savoir ce qui t'est passé par la tête, putain! J'ai utilisé un sédatif. Elle a essayé d'activer son traceur. Je n'avais pas le choix. Je lui ai proposé du thé. T'as kidnappé Hanako Arasaka et tu lui offres une putain de tasse de thé? Oui. Et elle a poliment refusé. Tu dois lui dire la vérité sur Yorinobu. Juste les faits. Et expose-lui tes conditions. Toi, elle t'écoutera peut-être. Hanako-sama, elle est la réelle de la personne. どうか話を聞いてあげてください。 J'étais au Konpeki Plaza, ce soir-là. J'ai vu Saburo Arasaka mourir. Il n'a pas été empoisonné. C'est un mensonge inventé par votre frère. C'est Yorinobu le meurtrier. Vous êtes fou si vous pensez que je vais croire ces idioties. Fou! Chérie, vous avez pas idée. J'ai une voix dans ma tête, vous voyez? Un engramme, un de vos constructs de personnalité. Un engramme? Ouais. J'ai volé la relique que Yorinobu essayait de refourguer à Netwatch. J'ai pris une balle en pleine tête quand je m'enfuyais. La relique m'a sauvé. Mais maintenant, elle essaie de me tuer. Et je dois l'arrêter. Hanako-sama! V est la preuve vivante du terrible crime commis par votre frère. Nous pourrions confirmer chacun de ces mots si vous pouviez l'aider à retirer la relique. Hanako-sama. Tu as entendu ça? Va vérifier. Je le sens pas super, là. Foutu. Sauf si tu veux finir comme lui. Reste près du sol et ouvre l'œil. Ils sont dans le coup. Les mains en l'air.
Qu'est-ce que... Je t'interdis de t'évanouir. C'est pas le moment. Allez, putain, il faut se tirer de cette ville. Oh. Tu crois qu'ils font ces motels spécialement pour les dégénérés comme nous? La clim est naze, il y a des vieilles seringues sous le lit, les chiottes sont bouchées. Non, mais sérieux, qui viendrait dormir ici? On n'est qu'à quelques bornes de Night City. Si quelqu'un quitte la ville, il s'arrêtera pas ici. Et s'il y va, surprise, eh ben il dormira en ville. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un motel paumé comme ça? Je vais ouais. Juste deux putains de losers. Et moi qui pensais qu'on était foutus quand Goro a kidnappé Hanako. Tu vois, c'est ce qui arrive quand on contrarie une corpo. Tu pensais avoir marché dans une merde. En fait, t'as plongé tête la première dans une fosse à purin. Si on frappe, tu exploses la porte. Pas de sommation. J'ai pas vraiment envie qu'on finisse comme Takemura. T'as entendu ça? Une caisse. À cette heure-là, dans un coin pareil? Merde. Juste une? Le doigt sur la gâchette, V. Un bruit. J'ai un message pour V. Ne touche pas à cette porte. Dormez ? Il est temps de vous réveiller. Je sais que vous êtes là. Vous dormez ? Il est temps de vous réveiller. Qui est là ? J'ai dit, qui est là? Vous voulez que tout le motel soit au courant ou vous me laissez entrer? D'accord, je vous laisse entrer. C'est pas trop tôt? Oh, dégueu. Sur le mur, là, c'est du sang? Ouais. J'ai viré le dernier connard. Donc, vous parliez d'un message? Il est assis juste là. Ça va bientôt commencer. Qu'est-ce qui va commencer? C'est une poupée. Ou un proxy. Je dois clarifier une chose. Je pense toujours que vous êtes fou, mais... Hanako? C'est vous? Mais je ne peux plus me leurrer. Je vous crois. Comment vous m'avez trouvé? Vous pensiez vraiment qu'il vous suffirait de quitter la ville? Takemura m'a dit qu'il avait placé un traceur sur vous. Mais même s'il n'en avait rien fait, quand Arasaka cherche quelqu'un, elle le trouve. Une connasse de riche. Ok. Maintenant que vous savez et que vous me croyez, vous allez faire quoi? Yorinobu a planté un Tanto dans le cœur même de la corporation. Je dois agir tant que la blessure est fraîche. Et vous allez m'aider. Vous êtes la preuve vivante de son crime et de sa trahison. C'est d'abord à vous de m'aider. Je n'ai peut-être pas été assez clair. Nous devons faire vite. Je suis pressé aussi. Je suis un peu en train de mourir. Et je crois que mon cadavre ferait pas un très bon témoin. Oui, je comprends. Je veux savoir tout ce que vous savez sur Mikoshi. Mikoshi. L'un des projets phares de mon père. Une forteresse de données, avec des serveurs situés en orbite autour de la Terre. Une archive des constructs de personnalité. Des psychés numérisés, en quelque sorte. Ou une prison? C'est une question de point de vue. Dans tous les cas, ce n'est pas ça qui pourra vous sauver. Pas sans une connaissance approfondie de la relique et du processus de création du construct. J'ai retrouvé votre fugueur, Hellman. Il s'était planqué dans les jupes de Kengtao. On a parlé.
Ils pensent que tôt ou tard, l'engramme va me consumer. On peut pas arrêter le processus. Voilà une conclusion bien fataliste pour un homme de science. Au moins, j'ai pu mettre la main sur les plans de la relique. Il y a des infos détaillées sur son fonctionnement, la documentation sur la tech. Très utile. Et encore plus avec Hellman, toujours en vie. Je vais le contacter et lui expliquer qu'on ne quitte pas Arasaka aussi facilement. J'ai réussi à prendre contact avec Alt Cunningham. La Cunningham ? Celle qui a inventé le tueur d'âme. Elle utilise sa propre version modifiée. Ça, ça nous sera plus qu'utile. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et maintenant ? Nous devons nous voir en personne. À l'Embers, dans le centre-ville. C'est discret. Mais rappelez-vous une chose. Vous et moi, nous devons agir avec une extrême prudence. Oh. Voilà, j'ai fait mon boulot. Tu sais quoi ? Quoi ? Je crois que j'aurais préféré voir les troupes d'Arasaka débarquer. Ouais, au moins les porte-flingues d'Arasaka, eux, on les connaît. Mais ça, ça c'est nouveau. Content de voir que t'as saisi. On a atterri en terrain dangereux. Tête la première. Johnny! C'est bon, tu vas pas mourir. Je m'occupe de toi. Johnny... Ce que tu sens, c'est l'air marin. Allez, debout. Le Pacifique est de toute beauté à cette heure-ci. Cette crise a failli me tuer. T'as raison. Je pourrais le fixer pendant des heures. On est à Pacifica. C'est quoi cet endroit ? Un vieil hôtel, le Pistis Sophia. On est les seuls clients. Allez, viens. Je veux te montrer quelque chose. J'ai vu la pseudo-endotrisine dans ta main. Je peux pas vraiment m'en sortir dans ce corps sans ça. J'ai eu l'impression que t'essayais de te débarrasser de moi pendant que t'étais dans les vapes. Et franchement, c'était galère. Je t'ai bien vu. Alors essaie pas de mentir. Tu voulais prendre des médocs. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Non, arrête. Je te connais bien maintenant. Hé, hey, je t'ai sauvé la peau. Je t'ai mis à l'abri. Et toi, tu doutes toujours de mes intentions ? Ok. Je te crois. Merci. Passer par la fenêtre. Ça, je devrais y arriver. Tu voulais savoir pourquoi je t'ai amené ici. Il y a une planque, là, juste derrière moi. Ouvre-la et vide-la. –
C'est les tiennes? C'était. Elles sont à toi, maintenant. Ça a 50 ans. La guerre au Mexique? Quand j'étais qu'un petit merdeux comme toi, je me suis enrôlé dans une armée corpo. C'est au Mexique que j'ai compris que quel que soit le conflit, les corpos gagnent toujours. Et les gens ordinaires perdent toujours. Eh, tu t'es dit que t'allais exprimer ça dans tes chansons? D'abord, j'ai déserté. J'ai atterri ici, dans cette piole. J'ai passé un bon mois allongé sur ce lit à fixer le ventilo. Moi aussi, je pourrais m'allonger et fixer le ventilo jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Je veux t'éviter de foutre en l'air des jours, des semaines, comme je l'ai fait. Pourquoi tu me les donnes? Imagine qu'on nous envoie au front et qu'on doive se battre côte à côte. Tu serais prêt à prendre une balle pour moi? Je crois. Ouais. Ces plaques appartenaient à un gars qui a donné sa vie pour me sauver, au Mexique. J'ai bien réfléchi à notre problème. Je veux que ce soit bien clair. Je te ferai jamais de mal. Quand le moment viendra, je donnerai ma vie pour toi. Je te laisserai m'effacer. Et ces plaques sont la preuve de ma promesse. Je ferai la même chose pour toi. Ouais. Merci. Tu veux vraiment accepter l'offre d'Anako? T'as une meilleure idée? Pas encore, non. Mais j'ai une requête. Bon. Adam Smasher, le fils de pute qui a réussi à m'avoir. Quoi qu'il m'arrive, je veux que tu le dézingues, qu'il disparaisse de la surface de la planète. Sérieux? Smasher? Tu penses à lui d'un coup? La dernière fois qu'on l'a vu... On n'a pas pu lui dire bonjour. C'est pour ça qu'il faut le trouver. Et en finir une bonne fois. Ok. Ça marche. Et je veux que Rogue vienne avec toi. C'est aussi important pour moi que ça l'est pour elle. C'est faux. Alors, je parle à Rogue, je lui dis tout. En fait, ça serait mieux que je lui dise moi-même. Prends les médocs de Misty et laisse-moi les commandes à maman. Je suis pas du tout emballé par ton plan, t'en es conscient. Je vais juste discuter vite fait avec Rogue au sujet de Smasher. Après, je te rends les rênes, promis. Hellman m'a prévenu que tu ferais ça. Que t'essaierais de prendre le contrôle, tôt ou tard. Anders Hellman. Et on peut savoir ce qu'il a fait, lui, pour t'aider? Rien. Mais au moins, lui, il me fait pas de mal. Je suis pas sûr que tu mérites ma confiance. Ça doit aller dans les deux sens, V. Toi, t'as le contrôle sur moi, hein, en permanence. Je me contrôle même pas moi-même. C'est toi qui prends les mauvaises décisions. Moi, je peux juste te donner des conseils. Et te demander des services. Comme maintenant. Rogue serait un bon prétexte. Pourquoi? Pour m'emparer enfin de ce corps dont je rêve la nuit? Ou pour lancer une autre mission suicide débile contre Arasaka? Je commence à bien te connaître, Johnny. Pour la dernière fois, j'ai pas de plan secret. Je veux savoir exactement ce que tu comptes faire, Johnny. Je vais dire la vérité à Rogue, et on verra si elle est prête à nous aider. Salut, Satan m'a viré de l'enfer, alors je suis passé te dire bonjour. J'ai juste à mentionner Smasher, et à parler du bon vieux temps. Tu vas voir, ça va aller tout seul. D'accord. Je vais le faire, pour toi. Merci, c'est cool. Emmène-moi à l'Afterlife. Tu le regretteras pas, promis. Je me sens mieux. Je devrais y aller. Je sens toujours une douleur aiguë près de ton cœur. Je crois que c'est pas prêt de s'arrêter. L'hôtel Pistis Sophia. C'est ça ?
Ouais. Bel endroit pour mourir. Mais pas aujourd'hui.